Cardinal Fridolin Ambongo interpelle les politiciens congolais contre le danger réel de la balkanisation de la RDC. Après avoir célébré la naissance du Christ avec ses paroissiens à la cathédrale Notre-Dame à Kinshasa, le quatrième cardinal de l'Église catholique romaine de la République démocratique du Congo, Fridolin Ambongo, a passé un bref séjour dans la ville de Boutembo, où il a eu ce lundi 30 décembre un échange fructueux, nous dit-on, avec les élus de la province du Nord Kivu. À l'issue de cet entretien, le prélat de l'Église catholique a lancé un appel vibrant et a affirmé devant la presse que la menace de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Est belle et bien réelle. Il a déclaré à ce sujet, je le cite, L'Église joue son rôle. L'Église a essentiellement le rôle prophétique et qui dit le rôle prophétique dit le rôle de la sentinelle. L'Église est là pour sonner l'alarme, réveiller la population et les autorités qui nous gouvernent pour dire que le danger de balkanisation est là. Fin de citation. Mais au-delà de ce constat, je salue, au nom de toute la résistance congolaise, ce cri d'alarme que vient de lancer l'Église catholique comme une sentinelle à la direction des hommes politiques à Kinshasa. Qui semblent avoir leurs yeux toujours rivés sur leur nombril, alors que les prédateurs du Congo sont en train de dépaisser notre patrimoine national. Inquiet, le cardinal Ambongo a lancé, je le cite :« On a de fois l'impression que les gens passent leur temps à faire des fêtes. » et à se quereller autour des futilités à Kinshasa, alors que les risques de balkanisation de notre pays est en marche. L'Église est là pour réveiller la conscience des dirigeants afin qu'ils regardent ce danger en face et qu'ils prennent toutes les dispositions qu'il faut pour arrêter ce risque. Fin de citation. Ces propos du cardinal tombent à pic, car... Si l'on considère les précautions des hommes politiques congolais et ceux qui sont censés diriger le pays aujourd'hui, nous constatons à travers leurs débats qu'ils se comportent exactement comme les musiciens du Titanic qui continuaient à jouer stoïquement, j'allais dire plutôt stupidement, leur partition sans se préoccuper du bateau qui coulait ni des cris d'angoisse et de désespoir des hommes et des femmes autour d'eux. Ce cri d'alarme qui vient de la part de l'institution la mieux informée du pays conforte ainsi l'information que j'ai donnée il y a quelques jours seulement dans mon message au peuple congolais et dans lequel je le prévenais du plan très avancé de la balkanisation de notre pays la République démocratique du Congo, qu'un think tank occidental a déjà explosé en trois pays dont les cartes circulent déjà dans les capitales occidentales. Le projet, ce projet, mieux, ce complot n'est pas une vue de l'esprit, mes frères. Il fait l'objet d'études de la part... Des, par des laboratoires politiques occidentaux depuis plusieurs années déjà. Et dans mon livre Stratégie du chaos et du mensonge, Poker Menteur en Afrique des Grands Lacs, livre coécrit avec Patrick Mbeko et sorti en 2014, vous pouvez trouver dans le chapitre 8, de la page 527 à la page 563, plusieurs preuves des multiples postures des hommes politiques occidentaux et africains en faveur de la balkanisation de la République démocratique du Congo, notre pays. Je vous, je vous cite quelques-unes de ces personnalités à titre d'illustration seulement. Il s'agit de Salim Ahmed Salim, ancien secrétaire général de l'OIA. Il s'agit d'Ali Mazroui, professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Binghamton aux États-Unis. Il réalisa, à la demande du secrétaire général de l'Oya Salim Ahmed Salim, précité, une étude sur la révision de la frontière de la RDC. Il s'agit de Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, qui organisa. Le rapprochement entre Paris et Kigali en faveur de son ami Paul Kagame. Il s'agit de Nicolas Sarkozy, président de la France, qui avait surpris le monde entier avec sa formule à suggérant que, je le cite, que la, ré la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense, et à l'organisation étrange des frontières, ouvre ses portes, les portes de son territoire et de ses richesses au Rwanda, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Fin de citation. Je cite Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, qui a déclaré sans sourcier, je cite, pour les experts du département d'État américain, le Kivu fait déjà partie du Rwanda. Fin de citation. Je cite surtout Aldo Ayello, envoyé spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs. Il a fait une déclaration on un ne peut plus claire que tout le monde à ce sujet. Il a déclaré, je le cite, on avait constaté que la région des Grands Lacs souffrait d'énormes déséquilibres, car des pays comme le Rwanda et le Burundi sont surpeuplés et très pauvres, alors que d'autres pays comme le Congo sont sous-peuplés et très riches. Du Congo, on a même dit que sa richesse démesurée en ressources naturelles en fait un véritable scandale géologique. C'est évident que si on laisse les choses telles qu'elles sont, poursuit-il, chacun dans son coin, on peut contenir les crises pendant quelque temps, mais après, elles vont exploser de nouveau. Il faut donc, conclut-il, absolument, ouvrir les frontières et permettre la libre circulation des personnes et des biens. Il faut créer les conditions pour l'exploitation des ressources naturelles puisse bénéficier à tout le monde. Fin des citations. Je cite le général Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria et envoyé spécial de l'ONU pour les grands lacs. Il aurait carrément dit, selon les révélations du site Wikileaks en 2011, qu'il regrettait. Que Paul Kagame ne soit pas celui qui dirige le Congo. Nous avons sorti avec Patrick Mbeko tous les détails sur ce vaste complot international qui vise à balkaniser notre pays uniquement pour permettre le pillage des richesses jugées scandaleuses pour le seul peuple congolais. Et aujourd'hui, la seule barrière, que dis-je, la seule forteresse qui a résisté contre ces multiples assauts fut la volonté inébranlable du peuple congolais à demeurer uni au-delà de ces petites divergences internes. Malheureusement, aujourd'hui, cette unité est fortement menacée par les discours fanatiques et partisans des illuminés qui sont prêts à sacrifier l'unité du pays pour leurs ambitions sordides et pour leurs appétits insatiables du pouvoir et de l'argent. Je salue donc cet appel de l'Église catholique par la voix du cardinal Fridolin Ambongo, qui demande aux hommes politiques d'arrêter de festoyer et de pérorer dans les médias pour garder la mangeoire ou pour y avoir accès. Le temps n'est pas à la fête, mes frères, ni à la course au pouvoir et à l'argent. Le temps n'est pas à, à regarder à nos nombrils. Dressons plutôt nos fronts et regardons en face pour l'affronter, affronter le danger qui guette la nation tout entière. Et donc, la République avant d'aider nos leaders. Car les hommes passent, mais seule la nation reste. Ingueta, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple.